sur le 4. Donc voilà. Donc ça va être un peu vidéo, test, avis, jeu, enfin test. Le jeu, je l'ai depuis plus de 3 semaines, je crois. Je l'ai une semaine après sa sortie Switch. Je sais plus trop c'était quand. Bref, et je n'ai plus la notion du temps, mais le jeu, j'ai déjà joué. On va vérifier vite fait, j'ai combien d'heures de jeu dessus. De toute façon, si je l'ai utilisé, si je l'ai passé maintenant, parce que ça se m'a écrit utilisé il y a tel nombre de jours, par exemple, j'ai acheté un jeu. Ouais, donc, lui, hier, il avait écrit première utilisation il y a 10 jours. Mais voilà, ouais, donc ça fait forcément plus de 10 jours que j'ai le jeu. Bref. 70 heures, bon, ok, bref, on s'en fout. On n'est pas là pour ça. Je vais faire des games. Tiens, on va aller vite faire voir si je peux acheter des skins ou pas, du coup. Parce que je crois que j'ai assez d'objets ninja, je crois, là, parce que j'ai presque tous les skins du jeu. Donc, je peux trade mes objets et mes Ryus contre des skins. Les images et tout, je m'en occupe pas trop pour l'instant. Donc, let's go. Pour moi, tout ce qui est écrit épuisé, je les ai. Il m'en manque quelques-uns. Voilà. Par exemple, celui-là. On va le sélectionner. Après, voilà. Par exemple, je peux pas les prendre. Du coup, j'ai plus assez de lame ninja platine. Tous ceux qui ont un cercle interdit, ceux que j'ai pas. Donc, il m'en manque beaucoup. Voilà. Il va m'en manquer 8, un truc comme ça. On va les compter vite fait. 4, ouais. 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, il m'en manque 8. Je vais acheter le skin du coup j'ai pris là pour le Naruto, le Sasuke et Napoléon. Ça va être un peu. Je vais donner mon avis sur le jeu, enfin, genre en vidéo, parce que moi j'ai déjà mon avis sur le jeu, je vais vous le dire un peu en même temps que je joue. Même si le truc que je peux vous dire actuellement, ce que je vous conseille, c'est vraiment de l'acheter. Le jeu il est grave bien. Donc ouais. J'ai déjà ça, c'est sûr ça. Non, j'ai un peu bougé, je remets droit. Oups, excusez-moi. Voilà, petit aléa. Voilà. Bref. Je vous conseille déjà d'avance le jeu. Donc voilà. Moi je vous dis, si vous aimez les jeux de baston, prenez-le déjà. Si, parce qu'il y en a qui connaissent pas Naruto Storm, je précise. Mais sur Switch il est excellent, graphiquement il est beau déjà. Je préfère dire parce qu'en vidéo ça se voit pas, à part vraiment la. Le seul moment où le jeu est pas très beau, c'est la vidéo d'intro du jeu. Genre à chaque fois que vous lancez le jeu, elle est pas belle, mais le jeu est grave beau. Les cinématiques du mode histoire, etc. sont magnifiques. Enfin vraiment, il n'y a rien à redire, le jeu est bien. Mis à part un petit truc, en même temps on va commencer à lancer la compagnie, sinon on va pas avancer. Mis à part que le jeu en ligne, tout le temps quand on cherche du ranked, généralement, la plupart du temps en tout cas, enfin là en ce moment plus trop, parce qu'il commence à y avoir des joueurs qui arrivent sur le jeu, mais généralement en classé ça propose des joueurs qui ont 13 000 points, qui sont rang 8, et là moi je suis rang 2 je crois, ou rang 3, je sais plus trop. Et voilà quoi, donc en fait ils te proposent des mecs qui sont plus de 3 fois plus forts que toi, peut-être que le rang ça veut rien dire, mais ils ont plus d'expérience de jeu, et ça c'est un peu dommage. Et en match d'amis, c'est pas si grave que ça. Mais sinon, le problème, c'est quand en match classé, quand le combat est terminé, tu peux pas proposer de revanche. Et ça te quitte la salle du jeu. Non, déjà, ça commence bien. Impossible de jouer car vous n'êtes pas connecté. D'accord. Déjà, ça commence pas ouf. Pourtant, je suis connecté. Okay, on va essayer. Ça me fait souvent ça. Donc le problème comme je disais c'est quand on perd un coup, enfin quand on perd ou gagne un combat en classé on peut pas demander de revanche et ça quitte la salle, il faut que tu re-recherches. Ça c'est chiant, tu peux pas genre continuer une recherche et en attendant ça te met sur un écran de combat. Deuxième truc, quand t'es en combat amical, pareil, si le mec ne veut pas de revanche ou même s'il quitte, et bah ça garde pas la salle que t'as créée, si tu l'as créée. Ça te quitte et tu dois recréer une salle. Ça aussi, je trouve que c'est dommage. Enfin, voilà. Le combat précédent n'a pas été fini correctement. Abandonné ou perdre la connexion au cours de combat, volontairement ou non, sera comptabilisé de votre déconnexion. Il vous restera d'avertissement que la déconnexion ne soit comptée. Ok, bon, je sais pas ce qui s'est passé hier. Oui, je jouais contre un mec, voilà. Bon, ben, je jouais contre un mec. Et en fait, c'est ça aussi le problème du jeu. C'est quand tu joues contre, par exemple, contre des joueurs japonais, généralement. Ça lag de ouf, genre ça lag le jeu, il est long de ouf, c'est pour ça que ça a dû me déconnecter, parce que hier il y avait un mec vraiment il laguait trop, et à un moment je me rappelle, je me suis tapé une erreur, donc je pense que c'est ça. Mais pour le moment, ouais. Mais sinon jamais je rush quitte un combat ou quoi que ce soit.
Donc, événements, je vous montre vite fait. Il y a des événements, c'est cool pour gagner des trésors ninja. Je les ai tous fait. Enfin, je les ai tous gagnés une fois. Donc voilà, on va passer combat en ligne. D'abord, je propose une petite session chill de combat d'amis et ensuite on part en classé. Comme ça, vous allez voir à peu près ce que je suis capable. Donc, créer une session. Vous allez voir, ça va être très chiant. Quand je suis, par exemple, je vais affronter quelqu'un qui va quitter. On est là pour s'amuser, combat en équipe, parce que ça, en classé, c'est des combats d'équipe. Donc voilà. Donc, vite fait, les persos que je joue le plus. Kakashi et Itachi. Bon, Itachi, normal, c'est mon perso préféré. Et Kakashi, en fait, il a des bons combos. Je commence un peu à jouer Hinata. Elle est super bien. Je comprends pourquoi les gens la jouent. Après, je joue un peu Obito Rikudo parce qu'il est un peu cheaté. Voilà. Voilà, par exemple, regardez. Rang 11, 6276 points. Je suis à 722 points. Le mec est large plus fort que moi. Donc, clairement, on ne l'affronte pas. Je vais pas affronter ce mec qui est trop chaud. D'ailleurs, je tenais à préciser, l'intro n'a rien à voir avec le jeu. Donc voilà, enfin, l'intro n'a rien à voir avec le jeu, l'intro que j'ai faite. Putain, je retombe sur le mec, il a quitté. L'intro que j'ai faite, elle n'a rien à voir parce que c'est juste en 4. Hein. C'est vraiment parce que Itachi, c'est mon perso préf de Naruto et je l'aime bien en fait, c'est trop stylé. Du coup, je voulais faire une intro avec lui, mais sinon, en fait, là, je viens de penser que j'aurais pu mettre d'autres trucs, mais pour moi, l'intro me convient et tant qu'elle me convient, ce sera ça pour l'instant. Je laisse la faire pas très longue, voilà, un peu bien. Ouf, voilà, bref. Bon, bah là, j'ai gagné que 17 combats en un truc d'ami. J'ai pas gagné beaucoup. Ok, lui il a 0 points, il est rang 1, mais je suis sûr que c'est quelqu'un qui traîne beaucoup. On va affronter pour voir. Moi je veux pas affronter des rangs trop hauts. Genre entre rang 0 et rang 4, 5, j'affronte, mais après j'affronte pas. Du coup, je vais prendre mes teams. Oui, j'ai tous les persos au fait. Hein. Je suis un trop effet, voilà, trop très rapide. Voilà. J'ai tout débloqué, j'ai fini ma histoire et tout. J'ai fini en 2 jours, je crois. Donc voilà, après j'ai mes teams préfaites, donc moi voilà, je prends Kakashi Itachi, donc le petit combo que je prends Katon et éclair profondeur vitesse, parce qu'il est super facile, enfin sa spé est super facile à placer. Généralement je prends, bon c'est pas très important, mais je prends Kakashi en tenue 4ème Hokage, pardon 4ème, quelle connerie, 5ème, non, wow, 6ème, oh là là, je suis paumé Naruto, je suis paumé, je crois que c'est 6ème, vous me direz, bah non parce que Naruto c'est le 7ème, du coup bah ouais, 6ème Hokage. Voilà. En tout cas, je le prends en tenue au Kage. Mais sinon, là, je le prends donc jamais. Oh merde, là. Ça, c'est mon terrain préféré, Vallée de la Fin. Et après, il y a plein de terrains que j'aime bien. Genre, ouais, celui-là du truc de Kaguya, le repère Uchiwa et tout. Le truc de Orochimaru, j'aime bien aussi. Et Village Kono aussi. Bien. Ok. Là, je suis un peu rouillé parce que j'ai pas joué la journée. En fait j'essaie de pas trop utiliser mes permutes. Et en fait pour gaspiller les permutes à l'autre, ce que je fais c'est je combo et ensuite je fais une charge chakra sur le mec. Comme ça. Après, je peux le reprendre. Sauf que là, je le vois. J'ai pas assez de chakra. Ok. Je vais essayer de limo. En fait, faut que j'arrive à prendre un peu de chakra. Ok. Ok, c'est bien chargé. Ok, là, c'est bon, je vais bloquer. Ah non, il se protégeait, merde. Putain, il joue bien, c'est très serré, je trouve. C'est vrai que des fois, par contre, on comprend rien. Des fois, il se passe trop de trucs. C'est difficile, j'ai du mal. Après, je suis pas non plus un expert, mais. En fait j'aimerais bien être fort sur le jeu, genre vraiment très fort. C'est comme sur Fighter, en fait c'est des jeux, genre je les aime tellement bien que je veux être très bon dessus, mais c'est difficile. Mais je sais que la boule de feu suprême, on va pas se mentir, c'est une des techniques les plus cheat du jeu, parce que déjà elle suit l'ennemi, mais bien putain je comprends. Mais en plus ça fait quand même beaucoup de dégâts je trouve. Putain. Ah ça m'énerve. Ah il m'énerve.
J'ai la haine, les gars, je vais pas vous mentir. Aïe. Est-ce que je le gelai? Non. Ok, je me suis fait. Son attaque est cheatée quand même, parce qu'elle me touche obligatoirement. Vente. Et ok, Itachi protège, bien. Putain, elle me fait trop mal cette technique là. Putain, je peux pas l'esquiver en fait. En fait, le problème que vous avez, c'est en fait dès qu'il la place, je me la prends obligatoirement, c'est très chiant. Bon, je vais pas laisser gagner, clairement. Ouf, oh, c'est bon. Et les gars, je me laisse pas faire. Il gagnera pas. C'est mort. Bon, si genre après, je veux bien refaire une revanche pour le mec. Est-ce qu'il se la prend là? Ok. Ok, le grab, c'est bon. Kakashi, c'est un super perso. D'ailleurs, j'ai pas encore joué avec Itachi, je le jouerai après parce que là. Bon, comme Itachi je joue pas très bien, je préfère m'assurer la victoire avec Kakashi, enfin m'assurer la victoire. Augmenter, maximiser mes chances de victoire, parce que c'est le perso que je joue le mieux. C'est vrai que je joue pas beaucoup Itachi, je le joue plus pour son assist. Après c'est pour un Katon, j'avoue que ça change rien. Je pourrais jouer un Sasuke. Putain, il me gêne. C'est complexe. Okay. Oh merde, je me prends. Putain, il va reprendre l'avantage. Elle fait trop de. En fait, les SP, enfin les ultis, elles font trop de dégâts. Elle t'enlève au moins une demi-barre de vie. Hein. Large. J'essaie de le grab. Ok, je peux plus. En fait, c'est une attaque vraiment les casse-couilles. J'ai perdu, je pense. Oh, on passe pas. Je suis dans la merde, clairement. Là, je suis mort, je pense. J'ai perdu, les gars. Ou quoi que. Oh, j'ai gagné. Les gars, je sais pas comment j'ai fait. J'ai tiré. Oh là là. J'ai eu chaud. En fait, j'étais en stress. Et du coup, ce que j'ai fait TP. Et j'ai essayé de faire mon combo normal. Quoi. Et après, comme il est revenu, avec mon combo, il l'a pas terminé. Mais j'ai resté une permute. Mais c'est vraiment la permute qui m'a sauvé. Quoi. Parce que si je l'avais pas, j'étais mort. Mais en fait, ce qui est bien dans le jeu, vraiment, du coup, bah, c'est que quand t'es en mode d'éveil, l'attaque ulti, elle l'a. Mais c'est cool. Bon, est-ce qu'il va vouloir faire une revanche? Ce serait cool, parce que c'est un combat serré, je trouve, et ce serait sympa de qu'on se réaffronte, lui et moi. En plus, s'il quitte, il va falloir que je recrée la salle, vous allez voir, c'est chiant. En fait, c'est vraiment chiant, parce que ça t'emmène au menu, quoi. C'est chiant. Mais du coup, je sais pas s'il va vouloir. Faire une revanche. Ok, yes. Là, je vais jouer Itachi et Sasuke Kokonan. Attendez, je vais jouer. Ça fait quoi? Je vais prendre. Oh, Shisui, il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien. Moi, je sais pas, je. C'est pas mon préf. Kakashi enfant, je l'aime bien aussi. Il est pas mal. Je vais prendre ce qu'il y a Hinata, voilà. En tenue, je pense que c'est le plus important. Mais bon, il y a des tenues, voilà, bref. Roto Boruto. Bref. J'aime pas trop Bruto. The Last Test, tu vois. On va prendre avec. Elle, j'aime bien la jouer. Mais je vais pas la jouer là. Il y a le Sasuke, il est super fort celui-là. Le Sasuke, si je sais pas c'est lequel, c'est de The Last ou de Rod Bruto. Mais je crois que c'est celui-là. Et il est grave fort. Perso, je prends les. Je crois que c'est ça. Garde Céleste. En gros, je crois que c'est en mode le rond que ça fait autour de moi qui protège, c'est grave bien. Si en fait, je crois que c'est ce Sasuke là. Ah, celui-là, j'adore ce terrain aussi. Je crois que c'est ce Sasuke là, genre en mode quand il est combo, il fait une espèce de truc d'énergie qui te rapproche l'adversaire vers toi, c'est trop bien.
Inata, il est beaucoup joué en ligne, mais je crois que c'est un bon perso en vrai. Enfin, en vrai, il est pas nul. Mais je la joue pas. Et pour une fois, j'ai record tout l'écran, les gars. Enfin, j'ai record. J'ai réussi à bien cadrer. Merde, je sais pas du tout ce que je veux faire. Ok, c'est bon. Au moins, j'ai toutes mes permutes. Je vais éviter de les gaspiller maintenant. Mais après, faut que j'utilise aussi un petit peu. Ok, non. Putain, il vient pas, merde. Oui. Allez, c'est souqué. Merde. Ok, je vais prendre Sasuke. Ouais, c'est celui-là. Je vois. C'est bien celui-là, énormément, qui fait. Putain, pente. Je sais pas jouer. C'est bien ça le problème. Putain, chiant. En fait, il prend que des trucs, genre ça m'aveugle en fait. Putain. Allez, putain, chiant avec ses explosions, il me casse les couilles. Je jure, il me saoule avec son perso là. Ok, par contre, c'est bien ce que là, je viens de voir le truc qu'il fait. Ok, non. Putain, il me saoule, je vous jure, il m'énerve son perso de ouf. Putain, son putain de perso. Pardon, j'ai grab, wesh, j'ai grab. Ah, ça me saoule. Ah, putain. Bon, ça sert à rien, j'étais en train de me protéger. Putain, il me saoule son perso, je vous jure, j'en peux plus. Ça sert à rien, gros. Putain. Putain, il me saoule de ouf, les gars, j'en peux plus de son perso, j'en peux plus. Oh là là, c'est ouf. J'en ai trop marre. Je vais pas vous mentir les gars que ça va être le dernier combat contre lui. Comme ça prend fin du classé, parce que ça ma vidéo va durer 500 ans. Je vais pas faire une vidéo trop longue. Même si je n'ai pas fait la semaine dernière. D'ailleurs je m'étais mis que je faisais une vidéo par semaine, même si je vous l'ai pas dit. C'était, je pense que vous avez remarqué, j'en sortais une toutes les semaines, sauf que là bah je savais pas trop quoi faire. Putain, je l'ai bloqué, yes. Du coup voilà. Et je n'ai pas fait la semaine dernière. Et là je vous promets je vais essayer de. Putain, bon, je vous jure, Ino là avec ses putains d'explosions là, putain, elle est encore plus cancer que Dedara, sérieusement. Oh, putain, il m'a Inata, ça va être plus long au fall pop. Faut sûrement gros. Yes! Allez hop, on va crever. C'est pas création, je sais plus quoi là. Oh là là. Embrasse tout. Fia! Magnifique. Au moins là je me safe les gars, je vais me safe avec j'essaie de refaire une deuxième ulti. Déjà, putain ça c'est vraiment nul. Hop. Sérieux? Il se la prend l'aspect là. Oh yes! Ok les gars, je vais essayer de me safe en replaçant une, putain. Là, faudrait que ma Inata. Putain, et les gars, c'est un gros bordel, je comprends rien ce qui se passe. Putain, faut que je n'ai combien une phase. Non, arrêtez, les gars, non. Non. Ah oh, non, je suis pas mort, yes. Faut que je gagne une manche. Yes, putain, en fait mon attaque elle passe trop, je suis désolé. J'avoue que c'est bâtard, j'ai un peu fait deux fois, mais. Les gars, là sinon je perdais, faut trop que je gagne une manche au moins. À la prochaine c'est sûr que je suis mort, mais au moins j'aurais gagné une manche, quoi, parce qu'il en a gagné, tout à l'heure il en a gagné une, tu vois. Oh là là.
Il a mieux joué sur la deuxième game hein, quand même. Hein. Ok. On ne touche pas. Non, arrête. Je suis mort. J'étais mort, les gars. Ah, oh, on dit. Super violent du weapon de combat. Bruh. Est-ce que je suis dégoûté? Oui. Putain. C'est pas grave, les gars. C'est pas grave. On va gagner. On va gagner les combats classés. Là, je vous le dis. Je le sens. Ah, il a bien joué. En tout cas. C'est dommage, il n'y a pas des phrases en mode comme sur Fighter, genre on peut dire GG, etc. Mais il a grave bien joué. Mais je suis deg, quoi. Je lui ai pas enlevé plus de dégâts que ça, quoi. Sur la dernière base, sur le dernier coup, je lui en ai enlevé un petit peu, mais il a fait une perfect. Bref. Retour menu. Désolé, mec, c'est pas contre toi, mais là, niveau timing, c'est classé. Et je crois que j'aurai le temps de faire que d'un combat, parce qu'après, en fait, je veux pas faire une vidéo genre qui dure plus de on va dire, 30 minutes. C'est vrai, je sais que c'est trop long, faut avoir vraiment investir du temps et c'est vrai que c'est chiant et mais moi j'ai. Oh yes. Ah non. Bientôt ça. Et voilà, je sais qu'il faut investir du temps pour. Enfin investir du temps. Faut avoir du temps surtout pour la regarder la vidéo. Donc voilà. Donc sur ça, je préfère faire des petites vidéos généralement de 10, 15, grand max, 20, 25 minutes. Pas plus. Là je sais qu'on va déborder sur les 35 minutes. Plus même donc voilà donc là on va essayer de pas être trop difficile niveau ranked mais pas non plus accepter des rangs 10 ou des bails comme ça parce que ça va être trop long que ça va être trop gros à supporter. Je vais éviter de faire difficile rang 1 ça va rang 1 bon par contre on va jouer là on va jouer vraiment bien enfin je sais donc ah d'accord, je suis de ce côté-là. C'est un peu stressant, je vais pas mentir. Alors, ça c'est mes teams de perso que j'aime bien jouer. Donc, bon, on va prendre le Kakashi. Avec le Kakashi et Kobito, je pense... Non, Kakashi et Itachi, parce que je vais jouer un peu Itachi sur la première manche. Parce que je vous ai pas encore montré de comment je joue Itachi. Et je joue pas, enfin, c'est pas non plus... attention, je suis pas un joueur pro Itachi ou quoi que ce soit, mais... Voilà, quoi. Ouais. Shuizo, les gars, là, faut qu'on gagne. Faut l'honneur, là, parce que je crois en plus, si je gagne, je monte rang 4. En plus, on peut. Ah oui, en plus, on peut faire qu'un combat, du coup, après, enfin, je recherche en bas. Je pense qu'on va faire 2-3 combats, grand max en classé, après, on va arrêter. Donc, voilà. Choisis ton destin. Choisis ton destin. C'est plutôt lui qui va choisir le mien. Madara Dedara, lol. Madara, il a pris pain. Madara Dedara, et ça finit en Ara un peu. Putain, ça va être chiant. Par contre, j'avais dit je jouais Itachi. Ah, tu peux pas encore changer. Faut que j'attende que le truc soit bleu. Voilà. Oh putain, il a changé plus vraiment. Par contre, ça va être très chiant. Oh non. Ce que je... Non. Oh merde, je vais prendre. Oh oui, mais en fait, je fais de la merde en fait. Putain. Chiant. Y'en a. Espèce de connard. Mais putain, il va pas. Non, là, casse-toi. Putain, Kakashi m'a sauvé la vie, les gars. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez de Kakashi, il m'a sauvé. Je pense que ce qui est bien, c'est que, en plus, la boule de feu suprême a fait des dégâts, même si le mec se protège. Donc. On a besoin de toi, Kakashi, mec. Putain, par contre, non, il va pas spammer. J'ai perdu le temps pour continuer en cas où. Yes, merci Kakashi. Putain, le mec, quand il va spammer, il va vraiment faire la technique de bâtard. Putain, il est chiant. Ah putain, il est chiant. Non, c'est un connard en fait. Regardez-moi ça. Il spam ses petites merdes là. Non, c'est horrible. Ah non. Non, non.
bâtard. Et il me casse les couilles. En plus, vous savez, il spam quoi? Il spam les projectiles. Hein, parce qu'en fait, Deidara, en fait, j'ai juste à spammer les projectiles. Deidara, c'est le perso. En fait, Deidara, c'est le Broly de Fighters. C'est vraiment le perso cancer de Naruto. Et avec Mifune, là, c'est le mec, genre, il peut spammer sa spé et tu peux rien faire. Par contre, c'est vraiment casse-couille. Ok. Je vais attendre. Ok. Les gars, là, on va falloir jouer intelligemment. Merde, putain. En fait, j'ai dit jouer intelligemment. Par contre, je vais clairement pas le battre. Hein. Par contre, il arrête mon katon dans son truc, il passe le chier. On est d'accord que là, il est pas prise, ma spé. Par contre, il spam, c'est vraiment enculé. Casse-toi. Putain, il me saoule, les gars. Eh, ça va être trop chiant ce combat. Putain, mais regardez, je peux rien faire. Putain, ça m'énerve les gens comme ça, mais putain, mais. Le mec il a deux doigts, je vous jure les gars, le mec il a deux doigts pour jouer, c'est vraiment. Vous savez, comment vous voulez jouer contre un mec comme ça? Je peux rien faire les gars. Je peux rien faire. C'est vraiment connard en fait. C'est le pire connard que j'ai affronté de toute ma vie sur le jeu en fait. Genre je rage. J'ai jamais ragé, mais là je rage, là je vais pas vous mentir, je rage. En fait, il est pas fort. C'est juste un enfoiré. Il a juste spammé ses putains de techniques de mort. Parce que les gars, moi aussi, je peux le faire. Genre, je prends la même team que lui, j'arrive, je m'en mets avec Deidara, je spam les projectiles, et j'arrive avec mon Madara, et je spam les embrasements du dragon, là, basta. C'est vraiment une technique d'enfoiré. Hein. C'est dommage, même, on peut pas signaler, parce que vraiment, là, c'était pas une game, voilà. Ok, j'ai perdu, mais genre, j'aimerais bien perdre contre quelqu'un qui joue, vous voyez, genre, combo et tout. Genre, j'avais affronté un mec, il était trop fort. Genre, il m'avait fait des bêtes de combo, du turfu, mais je pouvais pas bouger, frère. Mais lui, non, lui, c'est pas la même. Il spam ses explosifs avec son Deidara, frère. Ah, c'est dommage, là. J'ai vraiment la haine. Affronter des gens comme ça, là. En fait, c'est comme sur Fighters. En fait, je sais, je ramène à Fighters, mais genre, en mode, les classés dans ces jeux-là, c'est vraiment, genre, tu prends un perso cancer. En fait, il y a des gens, ils montent avec des persos de connards, enfin Pain et Madara, ça, c'est pas des connards en termes de joueurs, ils sont pas cancer. Mais le Deidara, vraiment, il est cancer. Et des joueurs comme ça là, qui jouent cancer, je me dis, mais en fait, ils sont contents de gagner, mais ils ont pas le niveau. Donc, est-ce qu'en fait, ils sont fiers de pas avoir le mérite et d'être montés, genre en faisant des connards? Ou alors, ils veulent pas monter sur sérieusement en jouant sérieux et pas forcément en jouant bâtard. Genre, Deidara, tu peux le jouer en mode pas cancer, mais bon, vous avez vu, je l'ai mis dans un preset, mais je le joue pas comme un connard. Et je comprends pas en fait les gens qui jouent les persos comme des connards, ça les apporte à quoi de jouer comme ça en fait. C'est pas avoir du level ça, c'est juste jouer comme un bouffon en fait. Genre c'est un gamin de 5 ans, tu lui dis appuie sur ça et ça, il te fait la même gros. C'est pas un bon level, pas entre en 12 les gars, on affronte pas. Clairement pas, non. Désolé mec, c'est pas contre toi, mais t'es rang 12, t'es beaucoup trop chaud. Mais voilà quoi, j'ai pas envie de jouer contre des connards là, vraiment c'est dégueulasse. Genre j'aurais su que le mec jouerait comme ça, franchement j'aurais pas affronté. Rang 1, est-ce que c'est pas le même? Vas-y, on va le mettre prêt. J'espère que c'est pas le même mec, non c'est pas le même. Il a 9% de victoire, il a fait 21 combats, il en a gagné que 2. Moi j'ai fait 12, j'en ai gagné 5. Bon, les gars, je vais pas vous mentir, je vais essayer de changer un peu, varier des persos que je joue pas, comme ça, ça va être bien. Lui, c'est un perso cancer, hein. Je vais pas le jouer. Qui je peux jouer? Aku, je l'aime bien, mais je sais pas le jouer. Mecha Naruto, je l'ai un peu joué, vite fait. Elle, j'aime bien, mais je sais pas la jouer, donc pareil, je vais pas la prendre. Je pense que je vais prendre... Je vais prendre le Naruto comme ça, celui-là, je pense, je sais pas. Non, je vais prendre pas celui-là. Si, quoique, non, peut-être, je sais pas. Ah, les gars, j'ai pas le temps. Je vais prendre le Sasuke Rinnegan, je sais pas le jouer. Sauf que je vais prendre un assist, attendez, parce que je vais prendre Kakashi. Oh putain, faut que je me dépêche, j'ai que 55 secondes. Je vais prendre Kakashi. Tenez, on va le prendre en tenue que je vous parlais là, en tenue de Kage, voilà, comme ça que je joue. Et ensuite je prends le Sasuke, parce que je vous expliquais pourquoi je fais ça, parce que le Sasuke, comme je sais pas le jouer, je vais jouer avec ses techniques de base, comme ça lui au moins je peux choisir ses techniques, donc ce sera plus simple. Voilà, let's go. Donc du coup, bah, vous m'avez pas vraiment vu jouer avec Itachi, n'est-ce pas? Quel choisi aléatoire. J'aime bien ce terrain aussi.
Ok. Il joue Kakashi aussi. Kakashi Zabuza et Sasuke du coup. Il joue le Sasuke qui a le truc Kirin là. Enfin Kirin. Enfin il fait l'attaque à la girafe là. Ouais, voilà Kirin, cette technique Kirin. Voilà, c'est le Sasuke Kirin. C'est comme ça que je l'appelle. Oh là là, c'est pas un connard. Bon, je dis pas ça parce que genre là j'ai un peu l'avantage. Mais au moins il joue pas comme une pute. Il essaye de combo là, ça c'est. Oh, putain. En combat de Kakashi. Putain, il joue bien. Voilà, ça c'est du level les gars. Voilà, là en face on a quelqu'un qui joue intelligemment là. Par contre, c'est difficile de gérer. Oh, putain, vous avez vu, j'ai fait un truc bizarre avec mes mains. Genre, j'ai fait une espèce de Sharingan chelou. Enfin, il y a un truc qui a apparu. Par contre, c'est dur. Il me laisse pas charger. Putain, non. C'est dur, c'est dur. Oh, putain. Par contre, le problème, c'est que mon Sasuke, il fait un. Il met l'oiseau et c'est facile à esquiver. Non, on va faire péter tout. C'est permis. C'est bon. Il n'y a plus de permis. Merde. Yes. Non, 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 je me prends. C'était bougé. J'aurais pas dû taper. Pas grave. Allez, je pense que j'ai perdu la première phase. Oh, ça va bien, tu vois. Ok, je suis mort. Ah, putain. Moi, je l'ai fait comme ça, c'est ma technique. Sauf que moi, j'ai pas mis la même technique spéciale. Putain, bien joué. Bien joué à lui. Putain, ah putain, mais en tout cas il joue bien, voilà, là c'est pas un putain de connard, au moins c'est pas un putain de connard, là. Il spam pas et tout. Ok, on va jouer Sasuke, que je ne sais absolument pas jouer. Ah non. Voilà, au moins la katana elle sauve. Esquive tout. Wesh les gars, c'est l'ultra instant. Putain, il a fait un renvoi. C'était chaud, les gars, c'est ultra dur. Mais par contre, il est trop bien ce Sasuke. Hein. Vraiment, j'aime bien ses combos. Je pense que je vais apprendre à le jouer un peu mieux. Mais par contre, oh putain, il me l'a placé. Ah non, c'est moi qui l'ai mis. Je vais faire une grappe, je me suis bourré de touches. Je sais pas du tout comment la passer, je sais même pas là. Ok, il est plus permis. Merde. Alors là, j'aurais dû me grappe. Joli. Ok, je me charge. Les gars, c'est dur. Oh putain, je me la prends. Dans un grondement de tonnerre. Oh putain. J'ai gagné? Oh non, dommage. GG à lui, vraiment GG à lui. Pantle est grave bien ce Sasuke, je comprends pourquoi les gens le jouent. Mais c'est vrai que le Sasuke qu'il a joué aussi est très très bon. Mais celui-là, je l'avais jamais joué en fait, pour vous dire vrai. J'avais pas envie de le jouer. Enfin, genre Sasuke, c'est pas Sasuke-là qui m'aurait le plus intéressé, c'est plutôt le enfant. Parce que l'enfant j'aime bien et tout, et même son éveil en arc maudit il est cool, j'aime bien cette technique, mais vraiment le seul Sasuke je crois que j'avais joué c'était celui-là en mode Akatsuki ou je sais plus, mais celui-là je l'ai débloqué, je l'ai pas joué et en fait bah il est super bon, donc je pense que je vais faire un slot où je vais changer je pense le duo où j'ai un Itachi avec le Sasuke que j'arrive pas à jouer et je vais mettre à la place Kakashi, ce Sasuke là, mais vraiment voilà quoi. Bon, on va se faire le last combat, les gars, le dernier de chez dernier, le
le final, celui qui va peut-être nous faire monter de rang. D'ailleurs, j'ai déjà été à 777 points, c'est pas la première fois. Partie rapide, Ligue 1, là faut qu'on gagne, faut qu'on monte, et voilà quoi, faut qu'on, là, ça tape. Là, ça va être du beau gosse de chez beau gosse. Oula, 22 610 points, rang 23, les gars, on peut clairement pas affronter ça. Je peux pas. Lui, mais oui, bah, c'est normal, mais je vais me faire violer, frère. Et là, pour moi, j'affronte soit rang 0, bon, j'avoue, c'est bâtard, pour gagner des points faciles, mais après, ça dépend, il y a des joueurs qui sont quand même forts en 0, comme le mec d'avant qui était fort. Mais sinon, c'est rang 3, 4, grand max 5 que je peux affronter. Après, j'affronte pas plus. Mais voilà quoi. Du coup, c'est entre rang 0 et 5, j'affronte. Aucune session trouvée. Non, on va essayer de rechercher une session. Et si on trouve pas, j'en créerai une. Mais je suis sûr qu'on peut trouver une. C'est qui? Rang 21, wesh. C'est le même mec que tout à l'heure en fait. Ah non, presque. Et les gars, je peux pas affronter des mecs rang 20. Ça, c'est des mecs qui ils ont très hard le jeu dès la sortie. Tu vois, les mecs, ils ont fait plus de. Ils ont plus d'heures sur Naruto que moi sur Fortnite, ayant. Je vais vous montrer directement, quand ce sera plus rapide. 3000. Plus de 3000. Il est où? Ah, 3225, oui, parce que le jeu j'y touche clairement plus. Hein. Il y a Demon Slayer, c'est sympa, les Choco, bon, Smash, Dead by Daylight, Rocket League, Fighters, Animal Crossing, Asphalt, oui, Asphalt, j'y joue un peu en ce moment. Rang 1, après, vas-y. Enfin voilà. D'ailleurs, après, je vais vous montrer vite fait sur la fin de vidéo mes jeux. Et vous me direz pourquoi je fais la prochaine vidéo. Voilà. On va prendre un petit Kakashi de la chance, hein. Vraiment, Nokage nous a porté chance. Et on va reprendre le Sasuke. Alors, je crois que c'était celui-là que j'avais joué, je sais plus où c'était celui-là. Taka. En tout cas, j'en avais joué un, deux. Bref, Sasuke. Sasuke. Ouais, on va jouer comme ça. Je préfère cette spé de Kakashi, les plus faciles à placer, j'ai l'impression. Allez, on prend un terrain stylé. On va prendre celui-là. C'est parti. Zone du premier rang. Le combat contre Kaguya. Enfin, zone du combat contre Kaguya. Ah, mais c'est le même mec qu'avant. C'est exactement le même mec. Matt Mage, Matt machin, là. En fait, on le raffronte. Et en plus, il a la même team déjà, et je me rappelle de son prénom. Là. Ok. Je l'ai appelé Matt Mute, par contre. Merde. Oh putain. Ouais, c'est bien le même mec en tout cas. Par contre là, il a pas l'air de rigoler les gars. Hein. Là, il a l'air vénère. Hein. C'est l'impression que j'ai de lui. Bon. Je suis le seul à le jouer comme ça, le Kakashi. Allez, gaspille toutes tes permutes. Ok, il en a plus. En fait, moi, ce que je fais, c'est... Je gaspille le moins de permutes, comme ça, l'adversaire, je le fous dans la merde. Ok. Bon, en fait, je gaspille énormément de ki, mais au moins, j'ai toutes mes permutes. Ok. Ok, il m'a laissé le temps. Ok, j'en ai gaspillé une, je vais essayer de gaspiller le moins possible. En fait, ce qu'il faut faire, c'est faire charge de chakra vers. Enfin, tu fais juste faire. Tu fais juste X et A quand le mec il fait une permute et tu vas automatiquement aller derrière lui dès qu'il a permuté vers là. Et ça t'évite de gaspiller une permute bêtement. C'est un petit conseil pour ceux qui savent pas. Parce que moi je savais pas. Et c'est que récemment, je voyais les joueurs en ligne, ils faisaient ça. Et comme ça marchait, bah, j'ai essayé. Je me suis dit, tiens, il devrait peut-être. Donc là, j'ai plus de permute, les gars. J'ai plus de permute. Ok, je vais essayer de pas utiliser ma permute tout de suite. Ok, il sait pas protège. Ok, j'utilise. Oh yes, elle passe. Elle est super bien placée, celle-là.
Hop. Je vais prendre le Sasuke, les gars. Bon, elle est super belle la spé, par contre. C'est la préf de Kakashi. En plus, elle est super bien placée. J'ai un combo, normalement, j'arrive à la placer, mais là, j'y arrive pas. Putain, vite. Ok. Il a pas continué son combo. Merde, merde. Ok. Non, j'ai fait le con. Kakashi. Ok, c'est bon, j'ai placé ma grab. Enfin, ma grab. Mon grab. Que je suis baisé, il meurt. Par contre, j'aime bien son petit combo là qu'il a fait avec sa spé du Kakashi, franchement, impeccable. Bon, les gars, là clairement, si je vois que je perds trop de vie avec le Sasuke, je joue Kakashi hein, pour jouer safe. Parce que là, faut jouer victoire là. Il a presque plus de permutes. Et moi aussi. Ok. En fait, c'est ça, il réfléchit pas en fait avec ses permutes. J'essaie de placer l'ulti. Oh non! Ok les gars, je vais jouer un peu plus. Ok les gars, là je vais perdre, je vais perdre, je vais perdre. Si je change pas tout de suite, je vais perdre. Parce qu'il va me placer, il va utiliser son Kakashi, je pense. Enfin, ok, je suis mort, je peux plus bouger les gars. Ah si, attends. Ok, GG à lui. Les gars, GG à lui. Bon, on termine sur une défaite. J'avoue, j'aime pas terminer des défaites. 40 minutes de vidéo, c'est déjà pas mal. Donc, les gars, je vais vous montrer mes jeux vite fait. Vous allez me dire sur quoi vous voulez que je fasse la prochaine vidéo. Et bah, voilà. Et d'ailleurs, j'aimerais bien. Je demande juste un tout petit truc. Je demande jamais. Juste vous abonner déjà. Parce que j'ai remarqué que. À peu près plus d'une dizaine de pourcents, ou je crois même 20-30, je sais plus trop, mais qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés, donc bah, ce serait pas mal si vous vous abonnez, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et puis si vous regardez, bah du coup, bah en même temps, vous aurez les notifications. D'ailleurs, les activer aussi, c'est cool. Et bah, mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, ça soutient, même si ça a l'air d'être juste un like, comme ça, c'est. Ça a l'air d'être rien, mais c'est beaucoup. Et même un petit commentaire vraiment en mode là, il y a pas un peu là. Déjà, votre avis, c'est bien, c'est pas ouf, ça peut être amélioré. Là, t'aurais pu faire tel truc et tout. En montage, là, je pense pas. J'en ai pas fait sur cette vidéo. Enfin, je dis ça sur la fin parce que je sais pas si je vais en faire actuellement. Je juge qu'il n'y en a pas trop besoin vu que j'ai commenté le jeu. Donc truc et tout, donc il n'y aura pas de cut ni rien normalement. Donc voilà, je vous montre les jeux vite fait. Donc bon, je vais les dire parce que j'ai vu que la caméra elle bug un peu des fois, ça fait un peu des reflets. Et bon, vite fait, Asphalt 9, Crossing, Fighters, bon, ça vous connaissez, Rocket League, DBD, enfin Dead by Daylight, Smash, les Chocos, Day Note Survivor, j'ai pas vraiment envie de le faire en vidéo, je vais pas vous mentir, c'est pas le jeu que j'ai envie de faire en vidéo. Les Chocos, je peux jouer bien à la rigueur. Fortnite, Trimwild, je peux tenter. Blade, c'est mort, j'ai la flemme. En plus, ça bug des fois, donc vraiment pas. Paladin, je veux bien. Crash Insane Trilogy, vraiment pas, j'ai vraiment la flemme. Team Sonic, je peux essayer. Brawlhalla, Hungry Shark, je peux faire un petit gameplay dessus si vous voulez. Sonic Mania, je peux faire. Sonic Force, j'ai vraiment pas envie. Friday, je peux faire Friday. D'ailleurs, Friday, je pense que ça va être ça si vous me proposez rien. Et si vous voulez. Après, il y a Warface, mais bon, Kirby, Iceland Saver, non merci. Et le reste c'est de la D. Donc voilà, donc moi je voulais choisir, là je vous repasse les jeux vite fait comme ça, en petite liste, doucement, vous avez le temps de voir, voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, et ben voilà, du coup n'hésitez pas, comme j'ai dit, à vous abonner, la cloche, les likes, les commentaires, ça fait plaisir, ça soutient, et je vous dis, bah, plus les warriors, les légendes, pardon, excusez-moi, c'est l'habitude.